Good morgen, Aleïden, les Jusra. Aujourd'hui, le Lunish Matam, Ramiona Ben Chana, Nissim Ben Ahuda et Sarah Batrana Rachel, ainsi que l'Irfouat, Ari Akiva Ben Shachar, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sefet Avot, Perek Bet, Mishnah, Yud Gimel, jusqu'à la fin du Perek, Yud Gimel, Yudalet, Tedvav, Tezain. Rabbi Shimon Omer, Eve Zahir, Bekriat Shema, Bitfila, Urshata Mitpalel, Altaas, Tefilatecha, Keva, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא, שנאמר כי חנון ורחום הוא ערך אפיים ברב חסד וניחם על הרעה, ואל תהי רשע בפני עצמך. רבי שמעון אומר, attention, ce n'est pas רבי שמעון בן יוחאי, mais c'est plutôt le troisième תלמיד, de quatrième תלמיד de רבי שמעון, de רבי יוחנן בן זכאי, רבי שמעון בן נתנאל. רבי שמעון nous dit, sois vigilant, précis, lorsque tu lis le Kriat Shema. Et la Tfila, il y en a qui disent qu'il faut rejeter aussi la Tfila. Le principe, il est simplement, il nous met en garde, il nous dit, faites attention, prier et lire le Kriat Shema, on est limité dans le temps, on est parfois confronté à dépasser facilement les limites, et bien veillez à avoir ça en tête, à bien prier aux bonnes heures. Ça, c'est un des trois conseils qu'il avait l'habitude de dire. À part ça, il disait encore, Urshata mitpalel, ataas tfilatecha keva, lorsque tu pries, ne fais pas de ta tfila comme un keva, c'est quelque chose de fixe, comme un fardeau. Le principe, il est, ne viens pas à la Beit HaKnesset, tu pries parce qu'il y a une mitzvah de prier, donc tu vas, tu pries, tu lis ton texte, etc. Non, il faut, ela rachamim vetachanunim lifnei amakom baruchu, mais plutôt, tu dois implorer la miséricorde et la clémence d'Hachem devant Hachem, d'accord? Comme le dit le verset, Sheneemar, ki chanon verachum hu, car Hachem il est clément et miséricordieux, erech apaim, il est lent à la colère, et verav chesed, plein de grâce, venicham ala ra'a, et il cherche à effacer, à contourner le mal. Soit le principe, en tout cas, il nous dit juste, lorsqu'on prie, malheureusement, on est tous un peu confrontés à ça. Des fois, on est fatigué. Des fois, on n'a pas la force. On estime qu'on a déjà fait un super effort de partir prier en public. Bah, oh Hachem, alors si déjà qu'on ne me demande pas d'en faire trop, eh ben non, c'est une mauvaise approche. Si tu as eu le mérite de venir prier, eh ben c'est le moment de prier, de verser ton cœur comme si tu parlais, que tu implorais la miséricorde du roi. Ve'altei rasha bifnei atzmach. Littéralement, ne sois pas un mauvais devant toi. C'est assez vaste, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire quoi, ne sois pas mauvais devant toi? Première explication du Barthénora, on va faire les deux premières, surtout pour arriver à la deuxième qui m'intéresse beaucoup. Ne sois pas mauvais devant toi, c'est-à-dire, ne fais pas quelque chose que demain, tu vas dire, ah, oh, qu'est-ce que j'étais bête, qu'est-ce que j'étais mauvais lorsque j'ai fait ça. Ouais, tu as cédé à une tentation de manger quelque chose qui n'était pas vraiment cachère, comme il faut. Eh bien, veille à toujours à ne pas faire des actions qui vont faire que demain tu vas te voir comme un rachat, que demain tu vas regretter, te dire qu'est-ce que j'étais bête d'avoir failli à mon devoir. Première interprétation. Deuxième interprétation du Barthénora, une grande règle extraordinaire, développée aujourd'hui par tous les psychologues et tout ce que vous voulez, mais c'est écrit ici, ne pas développer une mauvaise image de soi. Lorsque quelqu'un, il y a le Rambam, il raconte ça, il rapporte ça assez bien détaillé, et ça va porter dans le Barthénora. En tout cas, le principe, c'est très simple. Lorsque on fait une avéra, alors on a fauté. Eh bien, la grande règle qui nous dit, Rabbi Yona dans le Shiré Tshuva, est de dire, bon, commence d'abord par te dire, ça y est, aujourd'hui je suis un autre homme, je fais Tshuva. Ne te dis pas, je suis un mauvais, c'est mal ce que j'ai fait, Hachem, il ne m'aime pas. N'aie pas un regard négatif, ne développe pas une mauvaise image de toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas développer une mauvaise image de soi, la conséquence directe va être que demain, tu vas refauter une deuxième fois. C'est TV. Je préfère le lire dans les mots et le traduire dans les mots. Dieu Barthénora. Va Rambam Piresh, le Rambam il expliquait. Dans le Dibor Amatril, Baltei Racha Bifnas Mecha, Alta Sedavar Shayom, Ulmachar Tarshia et Asmecha. Deuxième explication, Va Rambam Piresh, le Rambam a interprété. Altei Racha Benecha, ne sois pas un mauvais devant tes yeux, ne te vois pas comme un mauvais. Klomar, Lotarzik Atzmecha Kiracha, ne te vois pas comme quelqu'un qui est mauvais, un fauteur. Pourquoi? Car à cause de cela, tu risques de partir complètement, t'éloigner encore plus de ce que tu devais faire. D'accord? Le principe est clair.
Parce que je me vois mal, c'est une grande règle, même en chinour. Un enfant qui a tendance à voler, eh ben, ne lui dites pas que c'est un voleur. C'est pas un voleur. C'est quelqu'un qui, comme tout le monde, il aime l'argent, il a envie de dépenser. Il a juste un manque de... Il définit pas bien la propriété, la limite de la propriété entre la vôtre et la sienne. Et donc, de ce fait, il vient, il vous chiffre de votre porte-monnaie. Si vous allez vous le dire, t'es un voleur, lui, il va grandir en disant que je suis un voleur. Si je suis un voleur, eh ben, demain, quand je vais voir l'argent de chez quelqu'un d'autre, eh ben, je vais le prendre aussi. Alors que si il comprend tout à fait naturellement qu'en fait, non, c'est pas un voleur. Bien sûr, il faut le corriger, il faut lui... Avec Sechel, ouais, il ne faut jamais trouver que ça mise d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, le principe, c'est de ne jamais développer cette mauvaise image de soi. On fait Mishnah Yud Dalet. Rabbi El-Azhar Omer. Cette fois-ci, c'est Rabbi El-Azhar Ben Arach. Eve Shakud Lilmod Torah. Veda Ma Shetashiv La Apikoros. Veda Lifne Mi Ata Amel. Veneheman Hu Baal Melachtecha Sheishalem Necha Schar Peulatecha. Mishnah un peu compliqué parce que ça va dans tous les sens les explications. Et le Barthénois qui nous dit qu'il suit le Rambam, et quelque part la Mishnah elle semble manquer un peu d'ampleur, et le Tiferet d'Israël il prend ça dans un tout autre horizon, même le Gaon de Vilna, on dirait qu'il va dans le même sens. On va essayer de faire les deux un petit peu. D'abord on traduit les directives. Rabbi Elazar, mais Rabbi Elazar enseigne Eve Shakud Lilmod Torah, sois assidu pour étudier la Torah. Plonge dans la Torah, dans ce que tu étudies. Ne fais pas ça de manière en dilettante, essaie de comprendre. Non, sois chakoud, assidu, tu vas, tu rentres dans le texte, tu cours pour aller étudier. Lorsque c'est l'approche, étudie avec Amal, avec Shkeda, avec feu. Veda ma shetashiv la picoros, et sache quoi répondre à la picoros. L'épicuréen, je crois que ça se dit en français, au mécréant, celui qui se met à tout renier et contester, il faut que tu étudies et que tu connaisses tellement bien les halakhot que si tu avais affaire à un débat avec un apikros, que tu pourrais lui répondre tac au tac toutes les bonnes réponses pour le casser et lui répondre précisément. Et la Mishnah continue en nous disant Veda lifnemi ata amel, et sache, souviens-toi devant qui tu es amel, devant qui tu peines. Le Barthénois interprète que ça se rapporte à ce qui était développé précédemment. Soit, lorsque tu vas entrer maintenant en débat avec un apikoros, sache que quand même, tout ce que tu fais, c'est que pour l'honneur d'Hachem, c'est pas du tout pour trouver grâce à ses yeux, de peur que tu risques que tu te fasses influencer, chas v'shalom, par ses propos qui réussissent à pénétrer ton cœur. Lorsque tu vas réussir sans arrêt à te souvenir que tu fais ça pour l'honneur d'Hachem, uniquement pour l'honneur d'Hachem, alors par là, tu vas réussir à te barricader, ne pas te faire pénétrer par les propos qui vont avancer. Veneman hu ba'al menachtecha, sheishalem lecha schar peulatecha. Littéralement, de nouveau, et Hachem, qui est le ba'al menachtecha, qui est le maître de tout ton travail, qui dirige le monde, donc, il est Neheman, il est crédible, tu peux lui faire confiance, sheishalem lecha schar peulatecha, pour qu'il te paye le salaire de tous tes actes. Soit, on a du mal à comprendre qu'est-ce qu'elle vient dire cette phrase, en rapport avec ce qu'il y avait. Je crois qu'il y avait le... Ouais, d'accord, bon. Elle a dit ce qu'elle dit. Il y a le Tiferet d'Israël, il donne une allure un peu différente à toute la Mishnah en réalité. Et il vient pas nous prescrire d'aller faire des débats contre les apikoros, c'est pas du tout le sujet. Mais il vient plutôt... Rabbi Elazar ben Arach, c'était celui qui approfondissait la Torah, qui était le Gmayan Amid Gaber, la source jaillissante de Torah, que sans arrêt, il était tellement plongé dans la Torah. Il vient et nous donne trois conseils comment étudier la Torah. Tout d'abord, Eve Shakud, tu plonges, tu t'assois, tu étudies. Et à part ça, Dama Shetashiv la Picoros, ça implique, apprends-toi à te poser des questions, à retourner tout ce que tu vas, au même titre, à te poser, dans la porte d'Israël, les sept questions, Mi, Mal, Mi, Et, Mi, Matai, Aye, Ech, Velama. Cette question très importante à toujours se poser pour tout comprendre. Qui, ça concerne quoi, ça rend dans quoi, quelle sera la conséquence. Toutes des questions au point où même, essaye même de rentrer dans la tête d'un apikoros. Comment il va voir cet halakha pour essayer de lui répondre. Il vient nous, tout simplement, nous donner la directive selon quelle approche tu dois approfondir la Torah. Et à part ça, il vient et nous dit, sache que maintenant, tu as besoin de travailler, tu as besoin de parnassa, c'est vrai. Mais veda lifne mi ata amel, souviens-toi devant qui tu es Amel, tu peines. Tu peines parce qu'Hachem, il a fait un décret sur terre qu'il faut peiner. Adam la Amal Yulad, et Hachem, il a fait une zera qu'on doit, une klala à l'homme qui doit
obtenir son gagne-pain avec peine, avec labeur, sache que malgré tout, tu fais ça en l'honneur d'Hachem, devant Hachem, et de ce fait, tu n'investis pas toutes tes méninges dedans. Tu fais ça à part, comme un devoir, quand tu vas travailler, parce que tu as besoin de t'apprendre à ça. Tu travailles, tu fais ça comme un devoir qu'il faut vite finir, mais tout ton entrain, tu ne le mets pas là. Tu le mets, tu fais parce que tu dis, ben voilà, Hachem, tu voulais que je travaille, ben voilà, je travaille, je donne mes 3 heures, mes 4 heures, mes 8 heures par jour, et puis je me contente de ça et je repars vite au Beit HaMidrash pour étudier avec toutes mes forces. Pourquoi? Parce que sache que celui qui dirige le monde et qui est le maître des travaux et qui lui tient toutes les ficelles de la parnassa sur terre, alors il est Néhéman, il est crédible. Tu peux lui faire confiance pour qu'il va te payer le salaire de tes mains. Donc que tu vas obtenir ta parnassa sans peiner plus au-delà. Dans la mesure où ton but, il est de te défaire de ton devoir, parce que tu as fait ce qu'il fallait, et maintenant, repartir le plus vite au Beit HaMidrash, sans avoir ta tête, au contraire, que quand lorsque tu rentres au Beit HaMidrash, tu continues encore à penser à tes affaires. Bien au contraire, fonctionne bien. Dans tes affaires, ton souci, c'est de repartir au Beit HaMidrash. Ensuite, Mishnah Tetvav, Rabbi Tarfon Omer. On a fini avec les 5 Talmidim, et la Mishnah se finit avec le Perek qui se finit avec 2 enseignements de Rabbi Tarfon, de Mishnah Yot. Mishnah Tetvav, Rabbi Tarfon Omer, Ayom Katsar, והמלאכה מרובה, והפועלים הצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק. רבי טרפון avait l'habitude de dire à ses talmidim, les enfants, היום קצר, le jour est court, והמלאכה מרובה, et il y a beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche, והפועלים הצלים, et les employés sont feignants, והשכר הרבה, et il y a beaucoup de salaire à récupérer, ובעל הבית דוחק, et le propriétaire, le boss, lui, il nous pousse, il nous dit, allez travailler. Il vient, il nous dit quelque chose de super, Rabbi Tarfon. Il nous dit, regardez, on est là sur Terre, on est un peu tous oisifs, chacun à sa manière. Il nous dit, mais vous êtes des fous. Ayom, lui-même, sûrement, il devait avoir la même itmo des doutes, le même yetzarara, mais il se disait ça fréquemment pour bien remettre les pendules à l'heure. C'est important de parler avec Machal, avec parabole, ça nous permet de bien comprendre la parabole et ensuite de rapporter ça à sa propre vie. Au même titre qu'imaginez, on se retrouve dans une mine de diamants, où tout celui qui est là, eh ben, il peut se mettre à fouiner, et toutes les 5 minutes, il trouve une nouvelle pierre merveilleuse. Et mais il n'est pas là pour longtemps, on l'a amené ici pour une petite demi-heure. Et sache que maintenant, tu es là, à Yom Katsar, la journée elle est très courte, ta vie sur Terre elle est très courte. Ça dure 70, 80, 90 ans, 100 ans, 120 ans. D'accord? C'est très court par rapport à l'éternité qu'il y aura ensuite. Ayom Katsar, le jour il est court. La Melacha Meruba, il y a plein de travail, il y a plein de travail à faire. Il n'y a pas ici que tu dis, ah, on va se fumer une petite cigarette, encore un petit café, puis on va amener un petit bout de gâteau. Mais vous êtes fous, les amis. Il y a ici, mettez-vous à travailler, on est là que pour une demi-heure, et il y a plein à faire. Travailler, gagner. La Poalim Atselim, et regardez-moi ces employés qui sont feignants, qui ne veulent pas s'investir, qui sont oisifs. Ils sont idiots, il y a tellement à gagner, le salaire est tellement grand. Au balabait d'Ochek, et le balabait est là, il nous dit, hey, les amis, je reviens bientôt. D'accord? Et d'Ochek, dans le sens, ça implique quoi, ce que j'ai voulu voir dans le Tirs d'Israël. Balabait d'Ochek, le balabait, en plus ça, il va pas te permettre, il va pas dire, bon, allez, on repart. Ah, t'as pris une petite pierre précieuse, ben, c'est très bien. Il va se fâcher avec toi que t'en as pris qu'une. Il va te dire, mais comment va? Je t'ai envoyé ici pour que t'en emmènes 50, 100, 1000. Qu'est-ce que tu as fait? Une petite pierre et déjà une cigarette, et après une petite pierre et encore un café, qu'est-ce que c'est? Alors voilà, ça c'est le balabait d'Ochek, tu auras des comptes à rendre. Mishnah Tetzain, Hu aya omer lo alecha melacha ligmor velo ata ben chorin libatel mimena. Im lamadata Torah arbe notnim lecha sachar arbe. Veneeman hu baal melachtecha shishalem lecha sachar peulatach. Veda matan tzecharan shel tzadikin le'atid lavo. Rabbi Tarfon avait encore l'habitude de dire « Lo alecha melacha ligmor » Sache que on ne t'a pas demandé de finir le travail. La fin du travail n'est pas ne t'incombe pas à toi. On t'a demandé de travailler. « Velo ata ben chorin libatel mimena » Mais sache que tu n'es pas libre de t'en acquitter, de t'en défaire. Soit, ça doit sûrement arriver à beaucoup de personnes, on commence à regarder la bibliothèque entière, juste tout le chasse déjà de Gemara, c'est déjà énorme. On se dit, mais qu'est-ce que c'est, moi, quand j'étudie, je mets 5 jours pour comprendre 5 lignes, comment je vais pouvoir connaître tous ces livres?
Allez, c'est plus pour moi. Moi, je préfère, je vais devenir un grand businessman, très riche. Je vais ouvrir un collège de 50 avrechim qui ont étudié super bien. Et comme ça, je vais m'acquitter de mon devoir d'étudier la Torah sur Terre. Qu'est-ce que vous dites d'une histoire pareille? Eh bien, vient le Rabbi Tarfon ne dit pas du tout, tu te trompes complètement. Lo alecha melacha ligmor. On t'a jamais demandé de finir le travail. On t'a demandé de bosser bien, sérieusement, dur et avancer. On t'a pas demandé de finir. Et de ce fait, veloata ben chorin li batal mimena. Tu n'es pas libre de te défaire de ton travail. On t'a demandé de bosser. On t'a pas demandé de finir. Que tu commences à te décourager parce que tu vas pas finir. C'est pas ton problème. Est-ce que tu finis ou pas? Tu finis ou pas, c'est le problème d'Hachem. Combien de temps de vie il va te donner sur terre? Combien il va t'ouvrir la tête? Combien il va t'ouvrir le cœur à la Torah? Mais toi, tu dois bosser, et tu dois bosser sans te défaire de ton devoir. À part ça, il nous dit, « Yim lamadata Torah rabbe, sache que plus tu auras investi de tes forces pour étudier la Torah, notnim lecha sachar rabbe, alors on te donnera beaucoup de salaire sur le simple fait de t'être assis pour étudier. » Pas forcément d'avoir acquis, je pense que ça inclut aussi dans ça. Et ensuite, il continue. Vénéman ou Baal Melach Techa, Shechelem Lach, Srar Peula Techa. Sache que celui qui est au-dessus, cette fois-ci, il parle du point de vue Rouhani. Sache que celui qui est au-dessus, qui voit ta peine et ton labeur, il est Néhéman de te payer tout ton salaire, de tous tes efforts que tu auras fait. Et de t'aider pour avancer davantage. Veda, Matan, Sharan, Shel, Tzadikim, Leatil, Lavo. Et sache que le monde du salaire n'est pas ici, mais il est le monde du salaire des Tzadikim, Israël, Leatil, Lavo, au monde futur. Quelle est l'importance de cette directive? Ben, je ne sais pas. Je n'ai pas fini de préparer cette mission, en fait. Je réalise que cette dernière phrase, je ne l'ai pas. Donc, j'étais assez à col, Kachar Siviti, Rabba, Vampirin, Tisbol, Da, Kikan, Eno, Alamasra. Bon, ben, il vient, il nous dit, ben, sache que. Ne te décourage pas lorsque tu vois que tu ne réussis pas aujourd'hui. À cause de ça, tu as encore des soucis, tu as encore d'autres problèmes. Sache que tout ce que tu peines, tu ne le fais pas pour ce monde présent. Tu le fais tout pour l'Atid Lavo. Et l'Atid Lavo, c'est le monde du Emet, de la vérité. Et il n'y a rien, aucun effort qui est passé à l'as. Tout effort supplémentaire que tu as fait pour mieux te conditionner, pour mieux étudier, mieux investir, eh ben, chaque petit effort, il sera là-bas considéré. Et tu recevras sur ça un salaire merveilleux. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha comme tout, c'est là.